Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit vlog séance équifile avec Linda. À la base, j'avais pas trop prévu de vous filmer cette vidéo, mais j'avais emmené la GoPro juste pour en fait pouvoir moi filmer mes séances, parce que je filme très souvent mes séances. Il y a plein de séances que je filme mais que je vous poste pas, juste parce que j'aime pouvoir regarder, ça permet de voir les erreurs qu'on fait, de progresser et tout. Enfin bref, moi j'aime trop filmer ce que je fais. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager cette vidéo avec une voix off et tout, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas partagé de vidéo d'équifile. Et je me suis dit que tant qu'à faire, autant vous prendre sous forme de vlog, comme ça vous verrez un petit peu l'avant après et ce sera mieux. J'ai mis son masque parce que pareil, je ne l'ai pas remis parce qu'il faisait pas beau, du coup il n'y a pas beaucoup de mouches. Mais là ça y est, dès que le soleil se pointe, elle a des mouches et elle avait les yeux gonflés. Donc voilà, donc on va travailler avec le masque, hein, ce sera plus confortable. Oui. Du coup je vais aller installer les dispositifs d'équifile et puis je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai installé le parcours, donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on va faire. S'il y en a qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu ça parce que là c'est la deuxième séance qu'on fait là-dessus. La toute première, je vous en avais parlé sur Insta, donc c'est possible que vous reconnaissiez le dispositif. Alors du coup j'ai mis deux dispositifs, là c'est le classique, le déplacement latéral. On essaye d'en faire à chaque séance parce que c'est une de nos plus grosses difficultés, donc ça se fluidifie petit à petit. Donc voilà, on en fait 5 minutes à chaque séance, histoire de pas la saouler, mais qu'on progresse un petit peu. Et ensuite j'ai installé surtout le trèfle, donc on a un plot là et un plot ici. Le départ du trèfle est... Oh mince, on voit pas trop aussi là les plots blancs. Alors, pour résumer, le principe du trèfle à la base, on part de là. C'est comme le barrel race en fait, plus ou moins. On doit faire le tour des trois plots. Du coup, 10 points en longe, 15 points en élastique, 20 points en liberté. Et comme le trèfle, en général, je sais qu'on maîtrise, je le complexifie un petit peu parce qu'en fait, en niveau club 2, donc c'est les dispositifs classiques, et en niveau club 1, c'est avec une difficulté supplémentaire, c'est les tests modifiés. Et du coup, là, ce que j'ai fait, j'avais pris l'exemple à la motte l'année dernière quand j'étais allée. En fait, j'ai mis un sautant qui est sous forme d'un petit directionnel, c'est un petit bout de palette, donc vous voyez c'est absolument pas large, je pense que ça fait vraiment 1 mètre, c'est tout, et du coup on doit le sauter à l'aller et au retour. Donc voilà, ça rajoute un sautant dedans, sachant qu'avec Linda les sautants, bah des fois ça passe très bien, des fois ça passe pas du tout. Donc la dernière fois on s'est déjà entraîné une fois sur celui-là, c'était très bien passé, donc on avait fait tout en longe. Donc là je vais voir si on peut le tenter, pourquoi pas en liberté ou au moins en cordelette, histoire de complexifier un petit peu. Donc voilà, donc je vais chercher ma dame et du coup bah, je vous retrouve moi en voix off pour vous commenter la séance. Bon, ça fait littéralement 15 minutes que Linda est en train de lécher sa terracelle, donc j'attends qu'elle ait fini pour aller travailler. Du coup j'en profite pour le masque anti-mouche parce que bah, c'est dans la dernière vidéo, il me semble que j'avais fait le unboxing. Je vous avais dit que j'étais pas sûre que ça allait et en fait j'en suis vraiment trop contente. Elle blesse pas, il lui va super bien au niveau taille, au niveau protection, il est léger, enfin franchement du coup j'en suis super ravie. Donc voilà. Bon bah je vous retrouve tout à l'heure dès que madame a fini de lécher sa pierre. Alors comme le trèfle c'est un dispositif qui est basé principalement sur le stick to me, on commence donc doucement avec ça pour s'échauffer. Du coup je vais lui demander de venir passer derrière les plots, je vais lui demander des arrêts, des changements de main, etc. pour démarrer doucement la séance. Au début de la séance, c'est vrai que j'ai tendance à récompenser les moindres efforts, comme là vous avez vu par exemple, juste elle s'arrête, je donne une friandise. Je vais pas le faire tout du long de la séance parce que ça c'est des choses qui sont acquises, mais c'est vrai qu'au début je trouve pour la motiver, pour la mettre dans le bain, je trouve que c'est bien de valider même si c'est des choses simples qu'elle normalement connaît bien. Ensuite on va se rendre sur l'obstacle et je lui demande en fait de le passer au pas, donc elle le fait tomber, c'est normal parce que vu la dissuasion de l'obstacle elle est plus ou moins obligée de le faire tomber. Mais je lui fais passer l'obstacle pour qu'en fait vraiment le but ce soit qu'elle franchisse l'obstacle. Et j'ai remarqué lors de la dernière séance, donc la toute première fois qu'on a travaillé sur cet exercice là, d'avoir fait ça, ça l'a aidé parce que sinon elle cherchait à dérober et du coup de voir que même au pas ça se passait, bah ça l'a aidé, donc du coup je recommence pareil sur cette séance là. Et ensuite on va venir faire le trèfle simplement. Après avoir fait le trèfle simplement au pas sans l'obstacle, on va ensuite passer donc au dur du sujet. On commence donc en longe en 10 points. Pour commencer, je lui demande juste de sauter l'obstacle et je l'arrête tout de suite après, je la félicite parce qu'elle a fait l'effort, même si c'est tombé, c'est pas grave, ça vraiment pour le moment, je m'en moque complètement. Et ensuite, je vais venir continuer l'enchaînement. Je vais ensuite venir le faire à l'autre main, donc moi cette fois située à sa droite.
Donc là, on a un petit peu plus de difficulté. Et ça passe plutôt bien, je suis trop contente. Bon, comme vous le voyez, on manque un peu de précision, mais comme je vous l'ai dit, c'est normal parce que à cette main, c'est là où on a le plus de difficulté parce que ça fait pas si longtemps que ça que je travaille symétriquement, on va dire. Et vous voyez qu'au retour, elle saute l'obstacle nickel, on s'arrête après dans le calme et tout, donc trop contente, j'arrête et je félicite. Ensuite, deuxième étape, donc là vous n'allez pas le voir forcément tout de suite sur l'image, mais je vous le dis, j'ai accroché la longe en fait à la cordelette. Donc comme ça, ça permet de faire la transition entre l'école et liberté, parce que j'ai pas d'élastique sur place et je trouve que du coup c'est plus difficile, entre guillemets, ça fait plus la transition. Donc on va faire le dispositif pour la première fois en cordelette. Et comme je voyais que ça se passait très bien en cordelette, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais presque pas besoin de contact en fait, et ben je me dis, allez, on va le tenter en liberté. Et comme précédemment, elle va sur l'obstacle, donc je suis vraiment trop contente, c'est la première fois qu'on saute un si petit obstacle, on va dire, un directionnel comme ça en liberté, d'habitude c'est plutôt des obstacles assez larges. Donc je m'arrête tout de suite après, je donne une friandise, et on enchaîne avec le slalom. Et du coup, pour terminer sur ce dispositif, on le fait une dernière fois et cette fois, le but c'est d'enchaîner et de ne pas s'arrêter juste après l'obstacle. Bon alors, notre terrain en pente et la place qu'on a n'aide pas à garder le trot. Là en plus, on fait tomber le plot, mais vous voyez pas, mais c'est collé à la barrière de l'autre côté, donc on peut pas faire un grand tour, enfin bref. C'est pas grave, on continue et là, elle avait fait tomber la palette, mais je me dis, allez, c'est pas grave, ça fait un petit directionnel du coup en largeur. Et elle y va et elle saute, et enfin bref, trop contente parce que je savais pas comment elle allait réagir. Parce que là, si vous voulez, le bout de palette est sur le sol, du coup, c'est fait juste quelque chose de large, hein, enjambé à sauter. Et donc, je suis trop contente, donc je la félicite beaucoup, j'arrête tout, on fait des gratouilles et tout. Et donc, on arrête là-dessus pour ce dispositif parce que bah, du coup, ça fait deux séances qu'on travaille sur celui-ci avec le sautant, et bah, on a réussi à le faire en 20 points en liberté. Donc, trop contente. Et ensuite, pour terminer, comme je vous l'ai dit, à chaque fin de séance, on passe 5 minutes à peu près sur le déplacement latéral pour fluidifier tout ça. Comme j'avais la cordelette, je me suis dit, je vais le tenter en cordelette pour voir où on en est, parce que jusque-là, bah, je le faisais juste en l'école. Et alors, c'est pas du tout fluide, il y a besoin de quelques petites rectifications, mais je vois que Linda commence à comprendre ce que je lui demande. Et je suis trop contente parce que vraiment, c'est un exercice sur lequel on galère. Vous avez pu le voir dans la première, dans notre premier concours d'équifil. Même dans le deuxième d'ailleurs, dans les deux il y avait des déplacements latéraux et on galérait et on galérait. Et là, de réussir à le faire en cordelette où du coup j'ai rien pour la freiner, enfin je peux pas lui freiner sa tête vraiment devant, bah, je suis trop contente, vraiment c'était top. Une fois que la séance est terminée, du coup comme j'ai filmé, bah, je vais vous le laisser pour vous en parler un petit peu. Je fais des étirements à Linda, donc j'en avais parlé à l'ostéo et tout, qui m'a dit que c'était cool si je pouvais faire ça à chaque fois, à chaque fin de séance. Donc je vous montre ce que je fais, mais bien évidemment vous demandez conseil aux pros qui vous entourent. Donc les étirements comme ça, par contre, en général on évite de les faire à froid, c'est pour ça qu'on les fait soit après avoir marché, soit après une séance, etc. Parce que des étirements à froid, ça peut provoquer plus de mal que de bien. Donc du coup là, ce que je fais en fait, c'est juste que avec une friandise, je vais attirer sa tête et je vais venir lui demander d'aller bas et loin. Donc c'est-à-dire je l'attire un petit peu vers son flanc si vous voulez. Du coup en plus, comme je le fais avec une friandise, il n'y a pas de pression, c'est vraiment elle qui vient, je tire pas sa tête avec un nickel ou autre. Donc du coup, elle vient jusqu'où elle peut et ça lui fait du bien. Donc je fais ça à chaque fois de séance, des deux côtés. Et aussi, de temps en temps, on passe au petit massage. Ça, Linda, elle adore. Genre vraiment, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais elle se met toujours à mâchouiller. Des fois, elle se tape la sieste et tout. Genre, elle aime trop. Donc voilà pour le petit post-séance. Ça y est, on a terminé la séance. Donc comme vous l'avez vu et comme j'ai dû sûrement vous l'expliquer en voix off, en ce moment, j'aime bien terminer les séances par un petit... par des étirements d'abord. Donc voilà, donc je termine toujours avec ça. Et ensuite, je lui fais des petits massages qu'elle aime trop aussi. Donc ça, les massages, je fais pas tout le temps. Sinon, sur la séance en elle-même, bah, c'était trop recouche. Je suis vraiment trop contente parce que dans les dernières séances, on avait fait de la liberté. En fait, j'ai vu pas mal de déconnexions aussi parce que j'avais tenté de faire de la liberté, moi, à son œil droit, enfin à sa droite. Et c'est vrai qu'on travaille très peu ce côté. Bon, du coup, je m'assois pour faire le résumé. Il y a une mouche qui... Je vais aller sur l'objectif. Oui, donc je disais la liberté, c'est vrai que du coup j'avais mis un peu en pause. C'est pour ça, là vous avez vu, je l'ai fait que à une main, moi à sa gauche, parce que c'est là où on travaille tout le temps et je sais que c'est plus ou moins acquis. Je l'ai pas fait à main droite. Je préfère pas en fait, je préfère faire que ce sera vraiment bien acquis plutôt que brûler les étapes. Et du coup là je suis trop contente parce que ça faisait super longtemps qu'on avait eu aucune déconnexion en liberté, donc
Trop contente. En plus de ça, il y avait de quoi parce que je lui ai demandé de sauter. Elle pouvait très bien dérober vu comme c'est pas large. Et deuxième point qui aurait pu faire qu'elle se déconnecte, c'est que là, en fait, je ne suis pas dans un espace fermé. On est dans le pré, donc... pas si vous allez bien voir en fait, donc on a travaillé dans cet espace là, là juste plus haut on voit strictement rien avec le soleil, ici un petit peu, ici là c'est le jardin de mon père et en fait tout le reste est ouvert. Du coup quand on revenait de l'obstacle dans le sens, bah là elle pouvait clairement se barrer au galop dans tout le prêt. Et du coup je suis trop contente parce que j'ai eu les arrêts à la fin et tout. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, parce que j'ai déjà eu la question plusieurs fois sur Instagram, il me semble que je l'ai déjà dit ici, mais bon je vais vous le redire comme ça ce sera dit. Oui, on va refaire des concours, c'est l'objectif, c'est pour ça que du coup je m'entraîne cet été, je vais vraiment mettre le paquet à fond pour que quand on arrive on maîtrise à peu près tous les dispositifs classiques Club 2. Du coup, oui, l'année prochaine on fait une saison d'équifil, je pense qu'on essaiera de faire le début de l'année ici et des concours d'organiser septembre, octobre, avant l'hiver en Club 2. Et ensuite on basculera en Club 1 parce que la motte c'est exclusivement en Club 1, donc on peut se qualifier avec de la Club 2 mais on va pas aller à la motte en n'ayant jamais fait de Club 1. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va s'entraîner à fond cet été. Donc c'est pour ça qu'on va s'entraîner à fond cet été pour essayer de sortir des choses pas trop dégueu et de maîtriser à peu près les dispositifs classiques de Club 2. Dernière petite chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, mon t-shirt Real Life, c'est moi qui l'ai dessiné, je vous en avais parlé un petit peu dans la dernière vidéo, mais là du coup je peux vous le montrer en vrai. L'école encore, pieds nus, vie au pré, tout ce qu'on adore. Donc comme ça, ça vous permet de le voir en direct live. J'ai aussi un sweat que je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. Si vous voulez vous les procurer, le lien est dans la barre d'infos, il y a tout plein d'autres modèles, hein, il n'y a pas que celui-ci, j'en ai dessiné d'autres. Il y en a aussi d'autres qui devraient arriver pour cet été, je veux bosser dessus pour pouvoir sortir une nouvelle petite collection. N'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mets dans la barre d'infos. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Salut !